Le jardin bio de Papy Farouk, écrit par Mathieu Khalil et illustré par San Van Riet. Au cœur de la ville, cerné par les immeubles et le béton, se trouve le jardin de Papy Farouk. Amir rend visite à son grand-père chaque semaine. Il adore les feuilles, les fleurs et les arbres. Amir aide son grand-père à arroser les plantes. Il l'aide à entretenir le compost. Ils travaillent ensemble toute la journée. À la fin de la journée, il se régale de fruits frais. Un jour, Papy Farouk ne toucha pas à sa poire. « Que se passe-t-il, Papy ?» demanda Amir. « Mon jardin se meurt, » répondit Papy Farouk. « Pourquoi ?» interrogea Amir. « Regarde, » dit Papy Farouk, « des insectes dévorent les plantes. » « Il me faudrait des coccinelles, » expliqua Papy Farouk. « Ce sont les seuls insectes qui pourraient venir à bout des bestioles qui tuent mes plantes. »« Je vais t'en apporter une ou deux, » dit Amir. Amir passa toute une semaine à chercher des coccinelles. Il en trouva une sur le terrain de sport. Deux dans la boutique, trois dans le parc, et quatre derrière le téléviseur. La semaine suivante, Amir rendit visite à son grand-père et lui montra les 10 coccinelles qu'il avait conservées dans un pot. « Bravo Amir, tu as fait du beau travail !» le félicita son grand-père, ému aux larmes. Le grand-père d'Amir était enchanté, car les coccinelles étaient voraces. Elles dévorèrent les insectes qui mangeaient les plantes et le jardin redevint magnifique. Depuis, le jardin de Papy Farouk fait ce que tout jardin doit faire, il ne cesse de croître et d'embellir.